Monsieur le ministre, hier, vous avez soutenu l'appel du cardinal Rai à la neutralité du Liban. Est-ce que vous avez déclaré qu'il n'y aurait pas de souveraineté sans neutralité? Et pour vous, cette neutralité vise à exclure le Hezbollah de la vie politique et aller ensuite vers les souhaits, répondre aux souhaits des États-Unis? J'ai rencontré le patriarche hier. Ça me paraissait un déplacement indispensable, tant sa personnalité est forte dans le pays. J'ai entendu ses propos. Finalement, lorsqu'il parle de neutralité, je considère qu'il parle d'une neutralité positive. Parce que la neutralité positive, ça veut dire, pour moi, et c'est le message que la France répète régulièrement, ça veut dire, pour moi, la distanciation et la souveraineté. La souveraineté et l'intégrité du Liban, la distanciation du Liban par rapport aux conflits qui existent dans la région et l'affirmation du Liban dans son intégrité, sa force, son identité. Et ce message-là, nous le partageons totalement avec le patriarche.